Good morning, 47. Your destination is the Himapan Luxury Hotel Resort on the Chao Phraya River, just outside Bangkok. Your main target is Jordan Cross, the lead singer of The Class, a renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album. But this millennial poster boy harbors a dark secret. 1 year ago, promising young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York. According to the police, Miss Highmore's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. They firmly believe that Cross murdered Hannah and only escaped justice due to the power and influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. A secondary target, Ken Morgan, corporate fixer and attorney to the Cross family, is also staying at the hotel. Cunning and unscrupulous, Morgan was a key agent in the cover-up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent acquittal. The Highmores understandably want retribution, and while the system may be powerless, ICA is anything but. I will leave you to prepare. Eh bien, salut à tous, c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur Hitman pour une nouvelle mission, cette fois-ci à Bangkok. Alors, on a encore deux cibles, et ce sont deux cibles pas très importantes, hein, juste un meurtrier et je ne sais pas quoi, en fait, l'autre n'est pas si méchant que ça. Bref, préparation, voyons voir un petit peu ce qu'on a, le pistolet silencieux, la pièce. On va enlever la corde à piano, j'aime vraiment pas ça, et on va prendre le crochet. Toujours avoir un crochet, c'est très important. Et puis, je pense que c'est bon, donc c'est parti. Welcome to Bangkok, 47. Ken Morgan has booked the Queen Suite, but has yet to check in. You will find him in and around the restaurant. Oddly enough, Jordan Cross seems completely unaware of his presence. Cross and the Class have set up a recording studio in the Emperor's Suite on the third floor. Private security around Cross and his entourage is highly capable. Still, I'm sure you can find your way into his inner circle. After all, today is Jordan Cross's 27th birthday. The age when rock stars die. Good luck, 47. Effectivement, les rockstars, elles meurent, et ben, à 47 ans. Bref. Donc, on a une cible. Alors, s'il y a une cible qui est déjà isolée, on peut peut-être la neutraliser très rapidement, non? J'ai l'impression qu'on pourrait déjà... Ah, quoi que je peux pas passer par là, je suppose. Attendez, où est-ce qu'il est? Il est là-haut. Donc, je regarde un peu, il y a des jardiniers, il y a des personnels. Est-ce que je peux passer par là? Ouais, je peux. That is Ken the Brick Morgan, lawyer and corporate fixer. Ah, il a un garde du corps. D'accord. Donc déjà ça va me poser problème. Même si je pourrais le tuer d'une balle dans la tête. Hein. Alors, dans les toilettes, est-ce qu'il y a quelque chose? Il vient de faire déborder un évier, donc il y a un mec qui vient. Merde, putain. Là, il y a quelque chose, on va regarder. Looks like another one of those rock stars. That's... Do you mind? We need to talk in private, okay? That's... Abel De Silva? He's only one of the most awesome drummers on the New York indie scene. He was in Death and Taxes and Flat Earth Society. Yeah, I like Top 40. Anyway, De Silva's filling in for the drummer in Jordan Cross's band who quit yesterday. The record label flew him in, and I took him up to the restaurant lounge. Miss Barrett, the manager, she's gonna come get him soon. Gee, I guess I should get his autograph. You don't deserve his autograph. On va suivre cette opportunité. Habituellement, je ne suis pas les opportunités lorsque je fais une découverte, mais c'est vrai que c'est assez dégueulasse parfois la manière dont je joue. Donc cette fois-ci, on va vraiment suivre l'opportunité. Donc déguisez-vous en Abel da Silva. De Silva, ok, pas de souci. Il va juste falloir qu'on le trouve. Est-ce que j'ai droit de rentrer ici? Ah merde, il me faut une carte. Merde, j'ai pas de carte. Comment je fais? Je suppose que là, ils vont me dire, va te faire foutre. Ouais, voilà, j'ai pas le droit d'y aller. Donc que je trouve une méthode pour accéder à ma deuxième cible. On va essayer de voir si on peut pas passer par au-dessus. Alors, il y a beaucoup de lecteurs de cartes, mais j'ai absolument rien pour déverrouiller les cartes. Il me faudrait vraiment un passe-partout ou un truc du genre. Et je me demande si lui en aurait pas un par tout hasard. Pour chasser. Ouais, merde, ils m'ont vu. Donc, déjà, il va me falloir un passe-partout. Il va falloir que je trouve où est-ce que je peux trouver ce passe-partout. Ah, regardez, je viens de trouver quelqu'un tout seul. C'est parfait. Lui, il est neutralisé. Merde, y'a quelqu'un. Merde, y'a quelqu'un qui me voit. Oh putain, en fait, y'a plein de personnes. Attends. On va se déguiser. Ensuite, on va déplacer le corps là-dedans. Ça va, ils ont pas eu le temps de voir. Est-ce qu'il avait une carte? Non, j'ai pas l'impression qu'il avait de carte. Merde. Alors, attendez, on va essayer de sortir rapido sans qu'on me voit. Voilà, parfait. Est-ce que maintenant, en étant comme ça, je peux rentrer ici? Ouais, je peux rentrer. Maintenant que je suis ici... Je suis pas au bon endroit.
D'accord. Ah mais parce qu'elle est là, ma cible. Putain, elle est juste ici. Où est-ce qu'il va? Je le suis, mais je sais pas du tout où est-ce qu'il se rend. Ah, où est-ce que tu vas? Tu irais pas, comme par hasard, à un endroit où il n'y a que toi? Attendez, on va essayer de la tirer par là, en lançant une petite pièce, genre ici. Parce que la pièce où je suis, là, c'est totalement vide. Attention, on attend qu'il se retourne. Maintenant! Je récupère ma petite pièce, merci. On va se déguiser en lui, comme ça c'est fait. On va traîner son corps... juste ici, je pense que c'est pas mal. Voilà, maintenant, il faut qu'on se rende là-bas. Donc on va faire ça. C'est à l'étage, donc on va courir vite fait. On sauvegarde au cas où. Toujours sauvegarder dans ce genre de jeu, parce que à la moindre erreur, bah t'as perdu. Ah mais non, mais je suis trop con, le mec est dans un autre bâtiment en fait. Attendez, est-ce qu'il y a moyen d'aller sur... Oh putain, je crois que je peux pas, hein. Je sais pas si je peux passer d'un bâtiment à un autre. Ah putain, il me faut des cartes. Ils sont relous avec le... Ah putain, tout s'ouvre avec des cartes. On va directement aller au rez-de-chaussée pour changer de bâtiment. Sauf si on peut passer par le toit. Ce qui est aussi probable, hein. Mr. De Silva, at the moment, I can't let you through here. Ok, j'ai pas le droit d'aller au toit. Bonjour, j'ai le droit de monter ici? Ouais, j'ai le droit de monter ici, parfait. Ah merde, c'est encore à l'étage du dessus, je me suis trompé. Ah bah je peux pas monter. Comment je fais pour monter encore? Ok, là il y a un escalier, c'est parfait. C'est bon, je suis arrivé là où je devais aller. Voilà. That is Jordan Cross, revered and reviled in equal measures. Oh hey, you're Quentin's replacement, right? Abel De Silva. Thanks for coming out, Abe. Follow me. Ah, attendez, on va sauvegarder. Donc déjà, j'ai repéré un mec qui dormait dans la pièce, donc je pense que lui va pas trop me gêner, sauf si je neutralise ma cible trop proche de lui, ça risque de le réveiller. Donc on va le suivre. On va faire pour le moment ce qu'il demande. Faut que je fasse de la batterie, par contre. Est-ce que je sais en faire, au moins? Ça, par contre, c'est une autre question. Jouer de la batterie. Mais je suis Hitman, je veux pas savoir faire ça, moi. Some kind of machine, aren't you? Oh man, nicely done. Why don't you walk with me, Abe? There's something I want to show you. After you. D'accord, bon, je suis un assassin qui est aussi expert en batterie. Écoutez, c'est sur mon CV. J'ai fait 5 ans d'assassinat et 5 ans de batterie, hein. Donc je suis doué dans les deux. C'est complètement stupide, excusez-moi, mais Hitman qui joue de la batterie. Je trouve ça quand même très très étrange, quoi. Eh, c'est privé, t'es pas censé venir, toi, casse-toi. Bon, en tout cas, il veut s'isoler, donc ça va faire... Excuse-moi, je t'ai un peu poussé. Désolé. Vous avez été repéré par une caméra. Ouais, mais pour le moment, les caméras, ça... Oh putain, il y a quelqu'un qui peut me reconnaître. C'est bon, on est passé. Putain, ils sont relous, laissez-nous tranquilles. Bonjour, l'intimité, il y a un mec qui arrête pas de nous suivre. Deux, même, qui arrête pas de nous suivre, même. C'est bon, ok. Il nous laisse un peu tranquille. On va sauvegarder maintenant qu'on est seul avec lui. Alors, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on le tue? Je vois qu'on est quand même assez proche d'un bord, donc je me demande si on pourrait pas le tuer en le poussant. Ça doit être un défi. Il y a des petits défis de meurtre. On va checker vite fait quand même les petits défis. Qu'est-ce qu'on a comme petit défi d'assassinat? En le poussant dans la verrière, on aurait pu. En le poussant du haut du balcon. Ok, donc le haut du balcon, donc là, ça compte. Attention. Tu dégages. Oh merde, non ça va. Défi réussi, la rockstar. Ok, ça c'est fait. Défi réussi, envole-toi petit oiseau. Bon, maintenant cible suivante. Alors par contre, il y avait un mec, voilà, il y a ce mec qui peut me repérer, je sais pas qui c'est, mais lui peut me repérer. Défi réussi, quelqu'un pourrait se blesser. Tout à fait. Où est ma seconde cible? Elle est là-bas. Victime sans se faire repérer, t'as tout compris. Putain, j'en ai marre de pas pouvoir passer par les portes. Il faudrait que je débloque... En fait, il y a... Tout comme le crochet... Il y a un petit accessoire qui permet d'ouvrir toutes les portes qui sont fermées par un pass. Oh, il y avait un anniversaire ici, on aurait dit. Ah bah oui, c'était les 27 ans de la Rockstar. C'est vrai, excusez-moi, bah elle est morte. Bon allez, il nous reste une cible. Je sais pas encore comment est-ce qu'on va la tuer, celle-ci. Donc pour le moment, ma cible fait des allers-retours avec la cantine. Enfin, avec le self. La question est... Comment est-ce que je vais le buter? Sachant qu'il est tout le temps dans un endroit où il y a beaucoup de monde, ça va être très compliqué. Je pense que pour le moment, la méthode la plus simple, ça va être celle d'empoisonner l'assiette avec laquelle il mange. Mais on va le suivre, on va regarder ce qu'il fait d'autre. Mais je crois qu'il ressort à chaque fois. Ken Morgan again. Any messages?
Hold on. No, still nothing. I'm frightfully sorry, Mr. Morgan. Artists. This is why I do corporate law. Any news about my suite? Housekeeping is hard at work, sir. I'm sure it won't be long now. D'accord, il attend donc un message et il attend aussi que sa suite soit prête. Alors, par contre, ce qu'on va essayer de trouver, c'est un truc pour l'empoisonner. Je pense qu'en faisant ça, on pourra le séparer de son garde du corps. Le problème, c'est qu'un truc pour empoisonner, bah ça court pas les rues. Prends des risques, j'essaye d'aller dans des zones où j'ai normalement pas le droit. Mais je suis à la recherche de Morora, mais je trouve rien du tout en fait. Ou alors, faut que je trouve les gens qui s'occupent de sa suite. Peut-être quelque chose à faire avec la suite. S'il a une suite, je suppose qu'elle doit être au dernier étage. Ah mais je suis revenu là où j'étais, merde. Bon, j'ai fait de la merde, c'est pas ce bâtiment. Ce bâtiment, c'est là où il y avait le chanteur qu'on a tué. Donc ça va être le deuxième bâtiment. Troisième étage, la suite de l'empereur. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, la suite de l'empereur. C'est peut-être qu'il faut que je trouve. Je reviens ici en fait, c'est ça le truc. Je suis en train de chercher partout, soit des cartes d'accès, soit une personne que je pourrais neutraliser pour lui voler ses vêtements. Bref, j'essaye de trouver le moindre truc et c'est super. Examiner. Attendez. Examiner. Note de la directrice. Une note de la directrice est parfois un peu pénible. Assurez-vous que le bar contient une bonne réserve de pinot et que la ventilation du salon. Ouais, bof, c'est pas très intéressant pour moi. Attendez, c'est qui lui? Il vient de sortir d'une des pièces qui était fermée. Merde, il y a quelqu'un qui le suit. Bah écoutez, on va simplement rentrer. Et hop, on le neutralise dans sa suite. Il a peut-être une carte. Alors, est-ce qu'il a lâché une carte? J'ai pas l'impression. Ah, mais il y a rien, en fait, dans cette pièce. Putain, mais c'est super difficile. Sinon, on va devoir le neutraliser de manière sale, une balle dans la tête, et puis voilà. J'avoue que ça me ferait vraiment chier ce coup-là. Ou alors j'ai faux depuis le début, et en fait on peut trouver de la Morora. Mais la Morora est simplement pas dans l'hôtel en fait, c'est possible. Peut-être que c'est à l'extérieur, genre que c'est les jardiniers qui l'ont et tout, je sais pas. Je neutralise celui-ci, vous pensez qu'on m'entend? Attendez, on va essayer. Non, on m'a pas entendu. Si, on m'a repéré. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a juste se déguisé. Ok, il a pas de carte. Les jardiniers ont pas de carte pour le bâtiment, c'est important de le savoir. Ah, je vous jure, là, je suis paumé. Pour moi, le seul moyen que j'ai actuellement trouvé, c'est de trouver de la Morora, de lui foutre dans le plat qu'il mange en boucle, et d'attendre qu'il aille aux chiottes et de le neutraliser dans les chiottes. Sauf que, bah, c'est pas si simple que ça, parce que de la Morora, ça court pas les rues dans Bangkok, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça soit au niveau du jardin avec tous les jardiniers et tout, soit au niveau de la cave avec tous les employés. Je pense que ça doit être forcément dans un de ces deux endroits. Sauf que si je dis pas de bêtises, je peux pas aller tout droit. Tout droit, si je dis pas de bêtises, c'est fermé. On va essayer de passer furtivement. According to the hotel gardener, Ken Morgan wants to purchase his aging tuk-tuk as a souvenir. Unfortunately for him, he can't get the engine working. Well, you're good at fixing things, 47. I suggest you give the gardener a helping hand. This could be excellent bait. On a trouvé une opportunité, d'accord, ça c'est intéressant. Par contre, j'ai mon voisin qui commence à se mettre à faire des travaux, donc j'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo. Donc l'opportunité, elle est pas très loin. Ok. La question est, comment est-ce qu'on y accède? Déjà, je vais revenir en arrière. Là, je suis dans une zone à intrusion, donc c'est trop risqué pour moi. Voilà, on est ressorti. On va essayer de faire tout le tour de l'hôtel. Peut-être qu'on trouvera. Récupérer une clé anglaise. D'accord, faut que je récupère une clé anglaise, y a pas de souci. C'est pour ça que dans Hitman, faut toujours penser à récolter tout ce qui va être outils. Les tournevis, c'est pour trafiquer les prises, par exemple. Les clés anglaises, bah, pour modifier tout ce qui va être véhicule. Enfin bref, tout ce qui est outil peut être très très important dans le jeu. Ah, est-ce que je peux aller tout droit? Alors c'est une zone d'intrusion, mais je peux quand même. Il est de dos ou je rêve? Non, il est de dos. Merde, il y a des gens là-bas. C'est bon, je vais le déplacer sans qu'on m'ait vu. On le met là-dedans et on va prendre ses vêtements au passage. Donc hop, on est déguisé en tant que serveur. Voilà. Donc déjà, je pense qu'on aura déjà accès à plus de zones. Mais la question est, je sais absolument pas comment on accède à...
au toc-toc. Ah non, le serveur a pas de rentrer dans ce bureau-là. Hein. Par contre, il y a quelque chose ici. Examiner planning de l'exterminateur. Merde, il y a quelqu'un. Oh putain, je t'avais pas vu. Bon, faut que je sorte d'ici, il y a pas grand-chose. Merde, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire le tour. Est-ce que je peux accéder au sous-sol en étant un serveur? Vous êtes repéré par une caméra. Putain, les caméras, il y en a partout dans cette mission, c'est insupportable. Bon, j'ai toujours pas de carte, donc je peux toujours pas accéder aux portes. Ça, c'est super chiant. Alors, est-ce que je peux accéder en étant serveur à l'arrière du bâtiment? Je pense pas, hein. Je pense pas du tout, mais on va quand même vérifier. Ah si, je peux accéder à l'arrière du bâtiment. Ok, c'est parfait. Là-bas, il y a quelqu'un. Vous êtes repéré par une caméra. Merde. Salut. Oh non, te retourne pas toi là-bas. Oh, fait chier. Comme par hasard, le mec, il se retourne pile quand je neutralise ma cible, quoi. Pour le moment, de ce que je comprends, c'est qu'on va devoir passer par ce sous-sol, neutraliser cette cible, prendre ses vêtements, avancer, prendre les vêtements du garde, récupérer la clé anglaise, trafiquer le toc-toc, et ensuite, logiquement, ça devrait être bon. Je pense que dans cet ordre-là, ça devrait être bon pour la mission. Mission qui aura été faite de manière propre, vu qu'on n'aura pas tiré, on n'aura pas tué d'innocents, je crois. Oui, on a juste fait tomber une cible du toit, et la deuxième, je crois, que va se faire écraser par le toc-toc, donc non, logiquement, on n'aura tué aucun civil. Mais on aurait pu faire ça beaucoup plus facilement si, par exemple, on a vu de la mort au rat, on aurait empoisonné le plat, le mec serait allé aux toilettes, on l'aurait noyé dans les toilettes et fin de la mission, quoi. Là, on se casse juste un petit peu le cul à faire un truc un peu plus compliqué, mais si on y arrive, ça sera pour la bonne cause, quoi. Ah, par contre, ce qu'on va faire, c'est ça, regardez, on va envoyer une petite pièce ici, le mec va se retourner. Ah merde, la pièce, elle roule jusque lui. On le neutralise. On déplace le corps. Où est-ce que je peux mettre le corps? Là-dedans, je peux mettre le corps là-dedans. Donc hop, on cache le corps ici. On va se déguiser. Défi réussi, en quoi puis-je vous être utile? On prend les pièces que j'ai fait tomber. Et on va sauvegarder parce qu'on est dans la cave et on a une nouvelle tenue. Alors bien entendu, les manières dont je fais ça sont pas forcément propres. Sauf le tout début, je crois qu'il y avait pas d'autre manière pour assassiner notre cible. Mais il y a sûrement beaucoup plus rapide après à faire. Ah merde, lui peut me repérer. Attendez, on va attendre qu'il passe, regardez. Ah non, il part. Il part, donc... Bam, on le neutralise. On récupère son arme, on déplace le corps. Ah merde, il y a quelqu'un là-bas. Je sais pas s'il peut me voir à cette distance. Donc on va mettre le corps là-dedans aussi. Si je prends les tenues de la sécurité, est-ce que c'est plus simple ou pas? Ouais, si je prends les tenues de sécurité, c'est quand même un peu plus simple. Pour récupérer la clé anglaise, j'ai juste à faire ça. Aller à droite. Merci pour la clé anglaise. Réparer le toc-toc, pas de souci. On a la clé, on a des costumes. Alors est-ce que si j'y vais en tant qu'officier, ça va poser problème? Non, j'ai pas l'impression. Ok, on va re-sauvegarder au cas où. Et je suis déjà à plus d'une heure de vidéo. C'est bon à savoir. Donc on va réparer le toc-toc. Laisser faire le professionnel. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Opportunité terminée. J'ai fait ça pourquoi? Merde, je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. Je pensais que ça l'écraserait ou un truc du genre, mais pas du tout en fait. And now to deliver Mr. Morgan the good news. Il va annoncer la nouvelle au mec, à notre cible, comme quoi le moteur fonctionne. Est-ce que j'ai une carte en étant... Putain, j'ai vraiment aucune carte. Je sais pas qui a des cartes, en fait. En fait, il y a un truc qui est extrêmement chiant dans Hitman, c'est que si tu marches à vitesse normale, ça donne ça. Et comme vous pouvez voir, ça marche beaucoup plus vite qu'une cible que vous suivez. Et c'est super chiant, vous êtes obligé de soit ralentir au maximum, soit donner des petits à-coups, puis vous arrêter, et c'est pas réaliste. En fait, ils auraient dû faire une sorte de marche à la même vitesse que les cibles. Il va aller dire la bonne nouvelle à notre cible, comme quoi le toc-toc refonctionne, on va voir ce que ça donne. Excuse me, Mr. Morgan, sir? Yes. Ah, the tuk-tuk fellow. Did you manage to fix the engine? Yes, sir. She spins like a kitten. Right, lead the way. On a toujours le garde du corps qui suit notre cible, c'est super chiant. Les gardes du corps dans ce jeu, c'est insupportable. Et le pire, c'est que ça va, là, on en a qu'un de garde du corps. Mais t'as des missions, genre la mission de Paris, où je crois qu'il y avait 3 ou 4 gardes du corps pour une personne, c'était insupportable. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer quand ils vont démarrer le toc-toc? Parce que je l'ai juste réparé, je crois. Go ahead, Mr. Morgan. Please, you do the honors. Donc là, il va faire quoi? Il va allumer le moteur. Attends, je m'éloigne un peu parce qu'il y a un bidon explosif derrière. Ah putain, je sais ce que j'aurais dû faire. See? Just like a kitten. Purring. More like a drowning kitten. I don't know. Is it supposed to sputter like that? Oh yeah, yes, absolutely, sir. It's part of the charm. Exhaust sparks are very authentic. Oh, very well. We have a deal. Can't wait to see everyone's faces at Hampton Hills. Wrap it up and ship it to my billing address. My PA will contact you about payment. Yes, sir. Thank you very much, sir.
Ouais, d'accord, j'ai raté. Je viens de comprendre ce que je devais faire. Je viens de comprendre. Ça va être un peu compliqué, mais c'est faisable. En fait, il a pas totalement réparé le moteur du tuk-tuk. Le tuk-tuk, il conne encore, déconne encore pas mal. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on répare le tuk-tuk, mais surtout qu'on perce le bidon d'essence qui est juste à côté. En fait, les étincelles du pot d'échappement vont directement se déverser sur l'essence, ce qui va faire exploser le bidon d'essence et exploser le tuk-tuk, ce qui va causer la mort de notre cible. Ok, d'accord. Jusque-là, ça va. Bon, c'est pas une mort discrète, mais c'est quand même une mort qui passera pour un accident. Et donc, on aura deux morts, deux accidents. Donc, c'est nickel chrome, on se fera même pas repérer, je pense. Donc, allez, on va réparer le tuk-tuk. Alors, est-ce que j'ai un tournevis? Non, j'ai pas de tournevis, ça va être un petit peu chiant, il va m'en falloir un. Ah, mort aura. Tenez, elle est là, la mort aura. D'accord, bon, au moins on sait où on pourra récupérer de la mort aura. On va redescendre au sous-sol. Je pense qu'il y avait des tournevis, mais je les ai loupés. J'ai beaucoup de notes en vrai, j'ai remarqué. Occupant de la chambre 205. Tiens, encore de la mort aura. Donc, en gros, on en a aussi au sous-sol. C'est bon de le savoir. Comme ça veut dire que si je recommence, je sais tout de suite où est-ce que je peux en avoir. Bon, on va enlever les vêtements de garde parce que tous les gardes me reconnaissent. On va prendre les vêtements du personnel d'hôtelier, voilà. Faut que je trouve un tournevis. Morora vomitif. Putain, il y a beaucoup de morora au sous-sol, c'est insupportable. Je crois que j'ai une carte. Carte d'accès passe-partout. Ok, la carte, elle était à la buanderie, d'accord. Bon, il me faut juste un tournevis, s'il vous plaît. Le pire, c'est que je suis certain d'avoir déjà vu des tournevis traîner, mais j'ai plus souvenir de où est-ce qu'ils étaient. Ah, il y a un accès au sous-sol par ici, vous avez vu. Juste devant, si on sortait, on avait un accès au sous-sol ici. Ok, déjà, ça, c'est important de le savoir. On pourra réaccéder au sous-sol très facilement. Bon, maintenant, il me faut un tournevis. Un putain de tournevis. Contaminé à ventilation, manquant insecte. Intéressant. On peut donc tuer via une ventilation en l'empoisonnant. Je l'ai. Regardez, prendre tournevis. On a le tournevis. On va donc pouvoir appliquer notre idée. J'ai repris les vêtements de policier. Alors, j'ai repris les vêtements de garde, histoire d'être safe. On commence par réparer. Ensuite, il va falloir qu'on perce ceci. Mais je ne sais pas si je vais alerter les gens ou pas, donc on va essayer. Non, ça va, on a alerté personne et vous pouvez voir que là... Ah mais merde. Au moins, on voyait l'idée que j'ai eue, quoi. Mais il faut faire ça après que le mec ait testé le moteur. Parce que sinon, c'est un pauvre PNJ sans défense qui se fait tuer. Donc, on a compris. Première cible, se faire passer pour le batteur. Aller en entretien privé sur le toit, le faire tomber du toit. Deuxième cible, réparer le tuk-tuk. Percer le bidon d'essence. Attendre qu'il teste le tuk-tuk. Et boum, le tuk-tuk explose et notre cible meurt. Et logiquement, les deux morts vont passer pour deux accidents banals, entre guillemets. Ou je sais pas si on dit banaux. Non, banaux, c'est moche. Et on aura donc terminé notre mission et ça de manière plutôt propre. Alors un petit peu longue parce que je connaissais pas toutes les ficelles du truc, mais maintenant qu'on sait comment faire, eh bien c'est parfait, on pourra refaire ça de manière beaucoup plus rapide ou alors trouver d'autres techniques pour y arriver. Donc là il teste le moteur, il s'amuse, il appuie sur le champignon, ouh, ça fonctionne, et on attend qu'il coupe le moteur. Voilà, il a recoupé le moteur, on va donc pouvoir percer le bidon et comme ça dès que notre cible arrivera, eh bien, ça fera tout péter, tout simplement. Donc, hop, on laisse l'essence se propager. Voilà, on a une bonne grosse flaque d'essence. Plus qu'à attendre, maintenant. La directrice est super chiante parce qu'elle traîne pas mal dans les parages. Et elle connaît ses employés. Donc, à chaque fois qu'elle me voit, elle peut me reconnaître. Je vais remettre les vêtements de serveur parce que j'étais tranquille en serveur. Parce que là, il y a trop de personnes qui peuvent me reconnaître. Voilà, en serveur, je suis clean. Il n'y a pas grand monde qui peut me reconnaître. En tout cas, pas grand monde à l'extérieur. Les autres serveurs, eux, peuvent, mais ce personnel-là ne peut pas. Bon, où en est notre cible? Parce qu'elle me semblait être super loin. Ouais, elle est grave loin. Il n'y avait pas notre pote qui était censé aller la chercher normalement, notre cible. On va aller voir ça. Ah, mais il l'attend comme un gros con, je crois. Ah ouais, il l'attend comme un gros con. On peut aussi empoisonner la bouteille d'eau, tenez. Non, il y a quelqu'un qui nous regardait. On aurait pu empoisonner la petite bouteille d'eau qui était là aussi. Ça aurait fonctionné. Il a raison, je vais faire pareil. Je vais regarder le paysage qui est vide, qui est vachement vide comme paysage. Mais ça reste beau. Ah non, là-bas, ah oui, là-bas, il y a une sacrée vue. Il regardait pas du bon côté, tout simplement. Morgan. Excuse me. Mr. Morgan, sir? Le mec qui attend qu'il soit au téléphone pour l'interrompre, quoi. Ah, si j'ai empoisonné la bouteille d'eau, vous avez vu, c'est la bouteille d'eau du garde du corps. Ça veut dire que j'aurais pu neutraliser le garde du corps sans forcément trouver un stratagème super compliqué. J'aurais pu simplement empoisonner la petite bouteille d'eau du garde du corps. Je vous déconseille de faire ce que je veux faire, c'est-à-dire d'aller sur les lieux de l'explosion pour regarder ce que ça va donner. Mais je vous avoue que j'ai envie de regarder. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est plutôt de vous barrer et d'attendre simplement l'explosion pour partir. Parce que dès que l'explosion va avoir lieu, je sais pas s'ils vont rechercher ou non quelqu'un. Logiquement, la mort va passer pour un accident, donc logiquement, je serai pas recherché. Mais vaut mieux être prudent. Là, on a une très jolie vue sur le tuk-tuk et sur le bidon d'essence. Donc, il y a l'essence qui est par terre. Il y a les mecs qui arrivent. Donc, logiquement, il va démarrer le moteur, ça va exploser. Il va mourir et on va devoir partir, tout simplement. Je pense que ça va être aussi simple que ça. Là, il va aller essayer le moteur. Attention, on admire l'explosion. Je suppose que c'est un défi aussi de faire ça. Hop, il allume le moteur.
le feu prend, ça explose. Victime par explosion. Tuqué coulé. Donc maintenant on va se barrer. Mais je sais pas par où. Victime sans se faire repérer. Effectivement on n'a pas été repéré. Eh bien on a fait deux meurtres sans se faire repérer. L'un est tombé du toit à cause du vent. Et le second a essayé un moteur qui était défectueux. Et ce moteur a explosé. Enfin voilà. Je trouve que cette mission on l'a plutôt bien réussi. Après on a suivi les opportunités. C'est vrai qu'habituellement je le fais pas. Mais là j'avais envie vraiment de faire un truc propre. Parce que les tirs dans la tête au bout d'un moment c'est un petit peu chiant. Je pense que vous comprenez. Mais on a vu plein de techniques. Il y avait le vomitif. Il y avait le dératisme. Qui s'occupait d'une suite, enfin bref, il y avait plein de techniques, on aurait pu aussi neutraliser le garde. Bref, fin de la mission, regardons un petit cinématique qui va suivre. Stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work and the Highmores picked up the check. A shadow client. Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, 47. But ICA is neutral, always has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides... It's happened before. Italy. Morocco. Paris. All our clients got their intel the same way. Anonymous tips from a hidden source. Each contract perfectly legit. Yet part of a grander design. I don't see the pattern. Somebody does. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47. The question is, against whom? Eh bien, l'intrigue avance un petit peu, on apprend un petit peu pourquoi est-ce qu'on tue ces cibles-là. Donc, ce sont pas des cibles au hasard. Donc, on est en train de monter de niveau grâce aux défis qu'on a réussi. On a réussi masse de défis, en vrai. On a réussi, je crois, 7 ou 8 défis. Récompense débloquée. J'ai eu une machette ou je rêve? J'ai eu une putain de machette? Alors, je veux dire, je sais que j'ai un couteau de combat, ça, y a pas de souci. Mais je crois que j'ai eu une putain de machette. Couteau de combat, il est là, y a pas de souci, mais j'ai une machette. Ah, attendez, la machette est peut-être trop visible, donc elle serait plutôt dans objet de contrebande, je pense. Ouais, j'ai eu une putain de machette. Machette de NNE Obara. NNE, qu'est-ce que ce serait NNE? Je ne sais pas. Bref, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette petite mission qui était bien sympa. Prochaine mission, où est-ce qu'on part? Tenez, on va regarder où est-ce qu'on part pour la prochaine mission. Mais franchement, je suis content, je pense pas refaire cette mission parce qu'on a quand même fait passer les deux meurtres pour des accidents et on s'est pas fait repérer, donc ce sont nos deux objectifs, ne pas nous faire repérer, faire passer tous les meurtres pour des accidents ou des disparitions, donc je pense qu'on n'aura pas à refaire cette mission. Prochaine destination, on part aux États-Unis dans le Colorado pour l'avant-dernière mission. Bref, j'espère que vous aurez apprécié, on se retrouve très bientôt pour la suite et pour de prochaines vidéos, d'ici là portez-vous bien et salut à tous.